Coucou tout le monde, c'est Ekaïdi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel de mon nouvel outil, l'utilitaire de mode en version Excel. C'est un classeur tout simple dans lequel vous pouvez créer une base de données de vos modes et ainsi gagner du temps lorsqu'il faut les mettre à jour. Ce classeur permet de créer automatiquement un lien de recherche vers Google. Fini les copier-coller pour retrouver un mode, il n'y a plus qu'à cliquer. Pour venir le télécharger, il faut ouvrir Google Chrome, par exemple. Vous ouvrez votre navigateur. Vous allez sur mon blog. Donc l'utilitaire de mode apparaît en premier sur la page. Donc vous avez les explications en anglais pour les anglophones. Pour les autres, c'est en français en dessous. Donc vous avez le téléchargement ici et la notice qui est à lire en dessous qui viendra compléter mes explications aujourd'hui. Donc vous venez télécharger sur le lien ici. Download. Donc là, votre archive vient de se télécharger. Vous cliquez dessus, vous faites ouvrir et vous avez l'archive qui s'ouvre. Donc vous avez deux fichiers dedans, la notice toujours et l'utilitaire. Donc vous venez copier les fichiers sur le bureau, ça on peut fermer. On va venir ouvrir l'utilitaire. Donc première chose, le fichier va vous dire que c'est en mode protégé puisque c'est un téléchargement qui vient d'internet. Vous faites activer la modification. Ensuite, deuxième message, les macros ont été désactivés. Il faut activer le contenu, sinon le classeur sera inutilisable. À partir de ça, je viens donc ouvrir mon explorateur de fichiers. Je vais dans Documents, Electronic Arts, les Sims 4, Mode, arriver ici. Je vais dans la barre d'adresse en haut, je sélectionne. Je viens copier l'adresse. Comme ceci. Je viens rouvrir mon navigateur. J'ai testé la procédure avec Google Chrome et Microsoft Edge qui fonctionne bien. Par contre, Firefox ne fonctionne pas. Je viens dans la barre d'adresse en haut et je viens coller et accéder au dossier. Donc, je tombe sur un index que je vais venir tout sélectionner par CTRL A. Hop. Je copie. Je retourne dans mon fichier, je vais dans l'onglet base de données en bas et je fais exécuter. On retrouve ma liste de modes. Ensuite, on peut aller dans l'onglet mode en bas. Tous mes modes apparaissent et il n'y a plus qu'à cliquer. Là, par exemple, je veux aller sur le mode First Love. Hop. Et voilà, Google s'ouvre directement sur la page de recherche avec le nom du mode que je souhaite retrouver. Si vous voulez refaire une base de données ultérieurement, vous faites simplement base de données, videz la liste. Et ça se vide, et c'est tout. Si vous avez besoin d'explications supplémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Tumblr ou sur Twitter directement. À bientôt! Merci d'avoir regardé!